Happy a confisqué les réseaux sociaux. Tu fouilles partout, tu vois seulement les images de Happy au bar. Alors, avant de commencer ma vidéo, je voudrais d'abord vous faire comprendre que ça fait pratiquement 2 semaines que l'ancien manager de Happy m'a appelé. J'étais au téléphone avec l'ancien manager de Happy. Il me faisait comprendre qu'il avait certaines choses à me dire. Donc, on devait prendre rendez-vous et c'est son rendez-vous que j'attends. Mais je suis un peu surpris de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de Happy. Il y a des gens qui ont un peu de compassion pour lui, ceux qui ont un peu d'amour pour lui. Je vais d'abord lire un post qui a été fait sur la page de Happy de Fulane Original. Quand est-ce que je vais expliquer à mes frères et internautes camerounais que le Game 237 est une jungle? Soit tu donnes ce qu'ils veulent, soit on t'éteint. Si je suis même encore seulement sur les réseaux sociaux, c'est pas tes tutesses. Alors donnez-moi du respect, s'il vous plaît. J'insiste parce que je ne mange pas chez eux. J'ai eu le succès avec mon titre, Chape Chape, dans le naturel. Alors pourquoi vouloir faire le surnaturel? Jusqu'à m'interdire le direct. Vous ne comprenez pas que c'est rude. Qu'est-il arrivé à mon collègue Wato de Suza? Où est passée sa page? Chers petits frères, faites de la musique au quartier, au veillé. Ne cherchez pas à trouver le succès. Je vous parle en tant que rescapé. En bon entendeur, salut. Il y a la mère de Happy qui avait fait une vidéo pour nous faire comprendre que beaucoup de choses se publient sur la page de Happy. C'est celui qui gère la page de Happy. Ce n'est jamais Happy. Donc, on se pose la question à savoir si c'est réellement Happy qui est caché derrière ce poste. Autre chose, tout récemment, on a vu Happy dire qu'il devait refaire le son du Kior parce que les petits là n'avaient pas bien géré leur buzz. Il y a vu quelques images, Happy était en studio. Donc, je ne sais pas si les images qu'on voit Happy au bas là, ce sont des buzz fabriqués pour refaire surface avant de mettre son son, son nouveau son sur le marché. On est toujours en train d'attendre. Mais ce que je voudrais juste vous rappeler, c'est que le monde du showbiz est trop compliqué. Parce que je vois déjà Happy ces jours-ci. Vous savez, à l'époque, quand Happy brillait, Happy avait des bagues alignées sur les doigts. Je ne vois même plus d'abord Happy avait encore toutes ces bagues-là. Donc, je ne sais pas si tout ce que les gens racontent qu'il a fui parce que ça part dans tous les sens. Il a fui le Wish. Il a refusé la célébrité et mourir jeune. Il a fui ceci, cela. Il a préféré sa simple vie. Chacun dit ce qu'il pense. Je ne sais pas si c'est ça également. Mais est-ce que quand tu pactes déjà, ça c'est ma question que je me pose, avec le diable, tu peux encore fuir? Je ne pense pas. Ou voulez-vous nous faire comprendre que on le proposait encore seulement? Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que quand je vous ai dit au départ que j'étais au téléphone avec l'ancien manager m'a dit ceci au téléphone. Franco, beaucoup de choses se disent sur Internet et c'est faux. On m'accuse de beaucoup de choses pas vraies. Il a dit, il devait faire une vidéo avec moi pour vous donner les détails. Donc, j'attends encore son rendez-vous. Vous allez comprendre réellement ce qui se passe. Puisque depuis, je tiens à préciser que chacun parle sans connaître vraiment le fond. On n'a jamais entendu l'ancien manager de Happy. Il y a même l'un des frères de Happy qui m'avait contacté. Il voulait passer toujours sur ma page pour expliquer que non, en réalité, ce qui se passe avec Happy, ce sont des mauvaises personnes. Happy est entouré des mauvaises personnes, des mauvais conseillers. Et c'est toujours comme ça. Même nous aussi. Il y a tous les gars qui viennent derrière nous dire, non, franchement, on ne m'a pas dit quoi avec mon boss Patrick Kenyekambia quand j'ai commencé à travailler avec lui. C'est un malhonnête, il a frappé celui-ci, si je devais entendre ce que les gens racontaient seulement, j'ai gâté avec le monsieur-là. Or, quand je m'engage que bon, c'était avec vous, j'essaye avec moi pour voir, je m'en rends compte que, par contre, c'est même une personne très bien.
contrairement à tout ce qu'on m'expliquait. Donc faisons très attention, mon frère. Le showbiz est trop compliqué. Quand tu brises, quand tu es en train d'avancer, d'ailleurs, toujours les gars derrière qui cherchent comment faire pour te faire tomber. Soit même mystiquement, soit on ne réussit pas mystiquement, on vient même te donner les mauvais conseils. Évite ceci, la telle personne est ceci, telle personne est ça. Pourtant, tout ça, c'est du fait. Donc, ne condamnez pas seulement, je ne suis pas en train de supporter l'ancien manager. Même le nouveau producteur, hier, on est venu nous parler du kidnapping. Donc, on peut comprendre là tout simplement que Happy est mal entouré. Il y a des personnes qui viennent toujours intoxiquer Happy. Fais ceci, fais ceci. Et quand ça cuit maintenant, si c'est vrai que les images qu'on a vues, Happy dans les bars, bizarres, habillé avec les sandales, sale, sale, on ne reconnaît même pas Happy. Si ce n'est pas un buzz qui crée pour leur nouveau son, si c'est vrai, c'est que c'est terrible. Et moi, je devais demander à mes frères, vous vous moquez des Happy. J'ai vu souvent les gens dire, vraiment, ta chute là, c'est normal, tu es ceci, tu es cela. Happy, c'est d'abord un enfant. Si ça arrive vraiment que Happy est dans cette situation-là, que ce n'est pas le buzz, voici le message que j'aimerais laisser à ceux qui sont en train de se moquer des Happy. Les gars, avant de te moquer de quelqu'un, il faut bien réfléchir. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu peux être en train de manger 3 fois par jour aujourd'hui. Tu crois que c'est comme ça à vie. Que ça sera comme ça à vie. Et que demain là, tu ne parviens même plus à manger 1 fois. Ce qui arrive à Paul aujourd'hui peut arriver à Jean demain. Un grand frère m'avait dit un jour, petit frère, avant de te moquer de quelqu'un qui s'est noyé, il faut d'abord traverser le pont. Tu ne peux pas être en quoi tes débuts. L'autre tombe, tu commences à rire. Pourtant, tu ne connais même pas si tu vas arriver à son niveau. Fais très attention. Fais très attention. Quand tu es en train d'avancer, il y a tous les gars derrière qui viennent te dire, non, telle personne qui te fait ci, il t'escroque. On a vu ça avec plusieurs personnes. Je ne vais pas venir seulement ici citer les noms. Donc, de grâce, les gars, l'affaire de Happy que vous voyez là, le fond est compliqué. Quand je vais rencontrer l'ancien manager de Happy, il va vraiment... Je vais aussi suivre sa version. C'est où je vais vraiment savoir qui a tort ou qui a raison. Pour l'instant, ce n'est que le côté de Happy qu'on entend depuis. Ce n'est que le côté de Happy. Ce n'est que Happy qui nous a dit qu'on me faisait ceci, on m'harcelait, on voulait la news ou c'est la news. On a même suivi ça un temps, non? C'était même la news ou c'était quoi? Ou c'était même lui? Je crois qu'on a suivi ça un temps. Bon, je ne sais, me rappelle plus si c'était lui ou bien si c'était Chantal. Donc, il y a tellement de... Le showbiz est compliqué, les amis. Le showbiz, ce que vous voyez là, ce qui se passe en fond, c'est autre chose. Donc, faites gaffe, chers jeunes. Faites très attention. Comme chacun se lève aujourd'hui, justement. Nous, on est dedans, non? Nous, on comprend, non? Ça nous chauffe, non? Nous, on sait comment ces choses-là se passent, les amis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Faites gaffe. Et quant à toi, Happy, il ne se fait pas tard, comme on a dit. Tu as du talent, tu as tout. Mais, je pense que ce qui peut te sauver, parce que même étant au bas, on te voit toujours en train de tirer ton départ. Et d'autres vont parler de la cigarette, mais la cigarette et le tas, la différence, c'est quoi? Là, c'est le petit frère du tas. Oh, tu es toujours derrière ton... Non, c'est... vraiment, mon petit, il faut laisser d'abord tout ça. Si tu veux vraiment réussir, tu dois laisser le tas. Oui. Par exemple, tu prends ça, même si on te conseille, même si on te dit quoi, tu ne vas jamais changer. Voilà d'abord ta première chute. Ça. Tu as dit que tu ne prenais pas et tout le monde te voit en train de tirer les trucs là. Ça, c'est quoi? Regarde comment tu es en train de finir. Même si c'est un buzz, même naturellement, on te voit physiquement. Tu es fini. Tu es fini. En tout cas, quand on vous parle, vous dites toujours que vous maîtrisez. Maîtrisez. C'est toi qui es venu dire que tu avais dit que tu encules les artistes, ou tu avais dit que tu as combien de millions en banque, machin, tout ça. Voilà donc les retombées. Ah, en tout cas, ta mère a dit que ce n'est pas toi qui publiais, ou c'était à cette époque, ou c'était récemment. Je ne sais pas. Beaucoup de courage, petit frère. C'est ça le game. Hein. Ça va aller. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.